Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question numéro 24 du sujet C du concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet C, question 24. Une nappe est ornée d'un motif régulier. Elle est représentée ci-contre. Elle a un grand carré gris au centre et des petits carrés gris sur le pourtour. Quel est le pourcentage de noir dans cette nappe ? Réponse A, 16%. Réponse B, 24%. Réponse C, 25%. Réponse D, 32%. Réponse E, 36%. Alors, donc on va partir donc de ce motif. Ce motif-là, voilà, on va l'agrandir un peu. Alors, comment on va pouvoir décomposer ce motif pour avoir donc le pourcentage de surface noire dans cette nappe ? Alors ici, on peut voir ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, donc de carré qui est un carreau. 1, 2, 3, 4, 5 carré qui est un carreau. Donc on va pouvoir décomposer ces carrés. Voilà, par exemple. Voilà. Et on voit qu'au centre, donc, il y a un carré 3 x 3 qui n'a pas de surface noire. Donc finalement, le pourcentage, ben, ça va être un rapport. Et bien, il peut être calculé ainsi. Donc le rapport donc, N. Et bien, ça va être donc ici, en fait, dans chaque carré, avec un carreau. Et bien, ici, donc cette surface-là, elle va représenter un demi du carré. Là, noir, un demi du carré. Un demi du carré. Il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou encore, donc 25 moins 9. Donc ici, il y a un demi fois 16, plus nombre de carrés au centre, donc il y en a 9, mais il n'y a pas de noir. Donc 9 fois 0. Sur 16 plus 9, 25. Ainsi, 16 divisé par 2, c'est 8 sur 25. Donc 8 sur 25 fois 100, pour avoir le pourcentage. 100 divisé par 25, ça fait 4. Donc 8 fois 4, 8 fois 4, 32%. Donc ici, donc la bonne réponse. Ici, donc ça va être la réponse D. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.